des patients qui, dès qu'ils étaient opérés, on les laissait déjà toute la première nuit dans leur lit, on ne les bougeait pas. Puis le lendemain, on faisait un bord de lit et on ne les mettait pas forcément au fauteuil. Puis après, on les mettait au fauteuil. Puis après, on les faisait marcher. Donc en fait, tout ça, ça faisait que ça ralentissait beaucoup le transit, qu'on perdait une journée, deux jours, parce qu'on disait, bah, il ne peut pas rentrer à la maison puisque de toute façon, il ne marche pas. Et donc, c'est des patients qu'on gardait probablement pour rien pendant plusieurs jours. Le fait de les asseoir déjà le soir même de l'intervention, c'est des patients qui ne vont pas s'ankyloser dans leur lit et rester en fait complètement alités, qui va entraîner en fait l'iléus post-opératoire. Et donc, s'il y a le transit qui se remet en place, c'est des patients qui sont moins algiques, donc c'est des patients qui vont moins consommer de médicaments. Voilà, vous me rappelez quand c'est bon. De toute façon, je reste derrière la porte au cas où. Hein, okay, donc, vous nous dites quand il y a besoin. Avant, on attendait que le patient se sente capable de se lever. Là, en fait, on les stimule vraiment beaucoup plus à se lever. Des fois, on leur donne un peu pas trop le choix. Comme ça, ils se remettent beaucoup plus vite. Ils voient qu'ils peuvent se lever, donc du coup, ils se disent, oh, bah, en fait, ça va, ça s'est bien passé. Donc, du coup, ça, dans leur, c'est un peu dans leur tête, ils se disent, bon, bah, c'est bien, je vais pouvoir m'en remettre vite. Et donc, du coup, ça va beaucoup plus vite. Donc, en fait, il y avait des freins au départ parce qu'en fait, les patients, déjà, il y avait fausse idée que les patients avaient mal. Donc, on allait leur faire mal, en fait, à les lever. Les équipes pensaient que ça allait leur faire trop de travail, du travail supplémentaire et que ça allait être trop lourd. Puis finalement, ils se rendent compte que se lever précoce, eh bien, finalement, ça fait peut-être du travail un petit peu en plus sur le jour en fait, du bloc opératoire, mais ils gagnent du temps sur le lendemain parce que c'est des patients qui n'auront pas besoin d'aide, qui vont pouvoir marcher, qu'on va déperfuser. Ça a été du travail de formation au départ, ça a été d'être présente au départ pour les premiers levés, rassurer, montrer que c'était des patients qui avaient pas mal, des patients qui étaient bien, et réinsister finalement tous les jours. Finalement, à chaque fois, à chaque bloc opératoire, je réinsiste bien, c'est prescrit que le lever doit être fait le soir même et il faut revenir le soir dans le service, vérifier qu'en fait les patients soient bien levés. C'est des patients qui ont pas mal au dos, qui sont mieux, qui reprennent un transit. C'est des patients qui vont, dès qu'ils vont voir que le premier lever s'est bien passé, qui le lendemain d'eux-mêmes en fait, vont se lever directement pour le petit déjeuner, qui vont aller faire leur toilette. Donc ça va permettre en fait, de faire la sortie précoce, ça va aussi permettre de bien les réalimenter et donc de faire les sorties dès J1 post-opératoire ou J2 en fonction du délai en fait qu'on s'est donné. Je pense qu'il faut expliquer à l'équipe que ça ne va pas leur demander du travail supplémentaire, que c'est une réorganisation du travail, mais qu'au final, ils vont être soulagés après par la suite.